Bien-aimés dans le Seigneur, fidèles téléspectateurs amoureux de Numérica TV, la famille Instant Mungu Joseph vous dit Shalom. Tes holocaustes sont constamment devant moi. Je ne te fais pas de reproches à cause de tes sacrifices, de tes offrandes, de tes sacrifices, des offrandes d'action, de grâce, tes dîmes. Toutes ces choses, Dieu le reçoit. Mais il désire une offrande d'un cœur brisé. Ça, c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu veut un cœur brisé. Quand le cœur est brisé, là, il y a l'amour de Dieu. Dieu aime que tu puisses briser ton cœur. Cela veut dire, Dieu aime celui qui dit, « Je ne le fais pas parce que je suis capable. Je ne le fais pas parce que je suis parfait. Je ne mérite pas. » Dieu a besoin des gens qui peuvent dire, « Je ne mérite pas. » Parce que j'étais conçu dans l'iniquité. J'ai été conçu dans le péché. J'ai été conçu dans la désobéissance, j'ai été conçu dans l'envoûtement, j'ai été conçu dans la peur, j'ai été conçu dans beaucoup de choses. Alors, ce n'est que grâce si je peux être là. Ce n'est que grâce si je peux vivre. Ce n'est que grâce si je peux respirer. Ce n'est que grâce. Un cœur brisé qui dit ce n'est que par la grâce. Seigneur, je ne suis pas digne, mais toi tu y es digne. Parce que moi, je ne suis pas mort à la croix pour moi. Bien qu'il est écrit que nous mourons avec Christ et ressuscitons avec Christ. Ça veut dire nous abandonnons de choses qui faisaient notre joie autrefois. Et nous embrassons la voie de la croix, la voie du Christ. Parce que nous aimons Dieu. La question qu'il faut se poser, à quel degré est ton amour pour Dieu? Waouh, ce que je vais dire, c'est à quel degré est ton amour pour toi-même? Seigneur, ce n'est que grâce. Ce n'est que par la grâce que je suis là. Par la grâce que je suis marié. Par la grâce que j'ai des enfants. Par la grâce que j'ai ce travail. Par la grâce que j'ai cette église. Par la grâce que j'ai ces membres de cette église. Ce n'est ni par la force, ni par ma connaissance. S'ils viennent, c'est parce que tu me fais grâce. Dieu est amour. C'est comme ça que l'amour de Dieu respire en nous. La grâce seulement. La grâce seulement. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez, de la façon dont vous nous avez acceptés chez vous, de la façon dont vous nous donnez beaucoup de considération. Instant Mungu Joseph ne cesse de frapper à votre porte pour vous dire les instants d'amour sont les instants les plus merveilleux de la vie. Savoir qu'il y a un Dieu qui t'aime, c'est très profond. Car Dieu est amour. À très bientôt.